Salut tout le monde, ici Sensine sur ton écran, bienvenue pour l'épisode 29 de notre mini-série sur Graveyard Keeper. Pour rappel, à partir de l'épisode 32, il y aura le DLC Better Save Soul, et j'ai hâte de voir de quoi il a l'air. Ce qui veut dire que, basiquement, il faudrait qu'on ait fini tous nos objectifs avant pour pouvoir se concentrer un petit peu sur ce DLC. Notre objectif, c'était de dégager le chemin en bas. Voilà, parfait, j'ai mes deux poutres, ça c'est nickel. Il va me falloir pas mal de pièces simples. Et il me faut des morceaux de bois. Bah, j'ai assez de bois pour ça. Et c'est pas mal. Demain, c'est l'astrologue. On va lui acheter de l'encre. On va acheter des plumes. Il va falloir qu'on s'occupe du cadavre, qu'on aille voir l'inquisiteur. Beaucoup de choses en perspective. Mais globalement, je pense qu'on devrait s'en sortir. Le lingot qui n'a pas fini de cuire et qui va me manquer. Ok, il y a un lingot qui vient de finir de cuire. Et du coup, je peux le transformer en ce dont j'ai besoin. Parfait, ok, super. On va passer. On va dormir. On va dormir, j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie pour m'occuper de tout ça. Il va aussi falloir que je mette des carottes dans le truc de l'âne pour pouvoir avoir des cadavres. Parce que qui dit manque de cadavres dit manque de tunasse. Et la tunasse, nous, on en a besoin. Il y a évidemment tout qui a fini par pousser. Je m'en occupe. Bon allez, vas-y, je m'en occupe. Je vais pas replanter, enfin si je replante, mais je vais pas aller acheter des graines. J'ai besoin de ma thune. Donc s'il manque des graines, eh bien tant pis, il manquera des graines. Hop. 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 Je vais voir un peu. 12, 8, 0. Non, je garde mes carottes. Alors, je vais en mettre 30. 30 pour l'âne, ça me paraît très bien. On range nos salades. On va aller voir l'âne. Ou plutôt mettre des carottes dans le machin. On va aller voir l'inquisiteur avant qu'il ne s'en aille. Et c'est pas mal. Pourquoi l'âne n'est pas venu? Parce que là, j'ai la place pour avoir des cadavres. Normalement, il vient et il attend exprès. Bon, je m'inquiète sûrement pour rien. Oui, il se trouve que pile la recette était la même. Ça, c'est tant mieux parce que je me serais retrouvé un petit peu bête. Un Magikarp a été capturé par Void. J'espère qu'il te plaira. Tu pourras le transformer en Léviathan. Si je dis pas de bêtises, aux alentours du jour de l'an, je crois. Excellent. Je viens de m'ouvrir le passage et c'est très bien. Je vais aussi nettoyer un petit peu ce cadavre et puis aller le faire brûler. J'ai de quoi brûler un cadavre? Pas encore. Je regardais en bas de l'écran, si vous demandiez, pour voir si j'avais préparé des bûchers, il semblerait que non. Je vais aller donner son bois de chauffe à l'inquisiteur. Je peux éventuellement récupérer une bûche ou deux sur le chemin, puisque je suis sûr qu'il y a des arbres morts. Et on est pas mal. Comme ça, j'aurai peut-être un certificat d'inhumation en plus, avec le cadavre que j'ai brûlé. Peut-être même deux, si Dan arrive à temps. À voir. En attendant, lui va me donner du fric, et ça c'est une excellente nouvelle. Monsieur l'inquisiteur, qu'y a-t-il ? J'ai votre boîte chauffe. J'apprécie votre aide, même si je dois payer pour en bénéficier. Tant mieux. Trumpette. Il tente des moves. Alors malheureusement, il n'y a pas d'attaque Pokémon. Ça me fait penser... sur la semaine d'Halloween, vous pourrez capturer des ectoplasmas, enfin... des Fantominus et les faire évoluer en Spectrum et Ectoplasma, et c'est le seul moment dans l'année où vous pouvez le faire. Attaque Trempette, Magikarp! Voilà! Ça me fait rire d'ailleurs parce que dans le Pokédex, ils expliquent que Magikarp, il peut sauter par-dessus des montagnes. Et quand tu réfléchis à la puissance qu'il faut pour sauter au-dessus d'une montagne, au décollage, elle est phénoménale. En fait, il devrait pulvériser n'importe quel Pokémon en le touchant, en fait. Et le fait que Magikarp ne sache faire que Trempette, ça donne vraiment l'impression que il pourrait te pulvériser. Mais il préfère se moquer de toi. Mais il a la capacité de te détruire. Il te taunte en fait. Il sait qu'il pourrait t'anéantir. Il ne le fait juste pas. 5 lingots. Hop là. On va ranger ça, on va ranger ça. Attaque hydrocanon. C'est un Pokémon haut, Magikarp.
Il est pas juste normal, non, parce qu'il est tellement nul, en fait, il apprend tellement rien que je me sers à se demander. Ah, un cadavre est arrivé. Et c'est une excellente nouvelle. On va pouvoir nettoyer tous ses organes. J'ai livré son corps à l'inquisiteur. Ah, j'ai livré son bois à l'inquisiteur. On va nettoyer le cadavre qu'on vient de le cadavre qui est déjà sur notre table de d'examination. Puis le cadavre qu'on vient de recevoir et on ira dormir parce que ça fatigue énormément de traiter un cadavre. Ça, je m'en souviens très clairement. Ça demande beaucoup d'énergie. Allez, on enlève tout. Tout. On le nettoie. De toute façon, on va le brûler, donc autant garder les organes. Oui, Magikarp peut utiliser Hydrocanon. Depuis quelle génération? C'est un troll, c'est vrai. Regardez-moi ça, j'étais full life, j'ai pas fini, et voilà que je suis mid-life, quoi. Enfin, life, non, mais énergie. Oh la vache, qu'est-ce que ça fatigue. Ça a demandé une barre d'énergie pleine, quoi. Pof. Allez, ça traîne par terre, c'est très bien. On range tout ça. Hop. On s'en va le disposer ici. On le brûlera plus tard. On va aller se reposer un peu là. Dans épée et bouclier. D'accord, donc il peut vraiment utiliser une attaque comme ça, quoi. Ah ouais. Bah en fait, ils deviennent de plus en plus forts de génération en génération, les Magikarp. Wesh.